Why don't you love me? Starring Beyoncé Knowles. Some of these days, you're gonna miss me, honey. Some of these days, you're gonna feel so lonely. You'll miss my hugging. You're gonna miss my kissing. You will miss me, honey. When you Salut, salut tout le monde. Comme vous pouvez le voir, je reviens avec un autre tamis make-up. J'avais envie d'essayer quelque chose de vintage, d'un peu glamour années 50-60. Et bon, c'est la première fois, mais j'avais toujours eu cette idée en tête que ça serait soit dans le style un peu pin-up des années 40, soit, mais ça j'ai pas trop envie finalement, donc je préfère un peu tenter le look des actrices noires américaines des années 60-70, tout ça. Et donc là j'ai choisi Diane Carroll. Voilà, j'ai choisi Diane Carroll. Donc faudrait que j'essaie de mettre une petite biographie vite fait. Bon, en fait je sais juste que c'est une grande actrice, voilà, et que aussi elle a été créatrice de vêtements dans les années 90, il me semble. Oui, créatrice de vêtements, parce que je la voyais dans des catalogues de mode. Elle créait des robes de soirée et tout, vraiment très belle. Et quand elle était jeune, je ne suis pas sûre, mais quand elle était jeune, elle était un peu comme moi. Vraiment, elle avait le teint marron, c'était plutôt une grande girl, avec des lèvres épaisses, des grands yeux comme ça, et elle portait souvent des petites perruques. Donc j'ai un peu, je ressemble un peu à une Supreme aussi, parce que les Supremes, Diana Ross, le groupe des trois Supremes avec Diana Ross, Marie et Florence Ballard, quelque chose comme ça. Elle aussi a porté des perruques retournées comme ça, mais bon, moi là, ça fait, moi là, je vais vraiment faire Diane Carroll, puisque je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est un peu la seule à laquelle je ressemble, vraiment, je sais, mais vraiment, dès que j'ai vu ces photos, j'ai été étonnée, parce que vraiment je lui ressemble, mais vraiment je sais pas pourquoi, mais je trouve que je lui ressemble un peu. J'ai un petit air d'elle. Juste au niveau de la bouche, elle avait une bouche un peu plus fine comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Et j'ai envie de refaire un peu ses yeux comme ça. Elle faisait des yeux, des très longs phares des yeux comme ça, avec une couleur un peu plus claire ici. Voilà, je vais juste essayer de faire ça. Hein, rien de très impressionnant, je vais juste essayer de faire ça. Donc, je vais essayer de faire vite aussi pour pas que ce soit trop long. Donc j'ai déjà fait mon teint. Voilà. J'ai déjà fait mon teint. Et donc là, et les sourcils bien sûr. Et donc là, je vais essayer. Je vais mettre le fard noir pour la base. Et après, je vais essayer de faire comme un semi-cut crease. Hein, même si le cut crease, c'est pas trop mon truc. Avec les couleurs pastel, bon, bleu et vert j'ai déjà fait, donc cette fois-ci j'ai envie d'essayer même pas tout ce qui est beige, pardon, beige orange, beige et orange comme ça, beige. Je vais essayer ça et ça, parce que toutes les autres couleurs là je les ai déjà faites, hein. Je peux pas refaire tout un jeu. Je voulais bien faire jaune, mais je sais pas, je crois que ça va être un peu trop voyant, je vais voir, je vais voir. Donc, j'ai encore oublié le miroir. J'ai encore oublié le miroir.
Donc, j'ai sorti une de mes robes un peu glamour hein, pour le thème. Bon, voilà. En même temps, je vais parler parce que je suis pas, vous savez, moi je suis pas une amatrice de maquillage à la base. Donc, je vais parler d'autres choses intéressantes que j'ai vues sur Internet. Et notamment ces temps-ci, j'ai découvert des nouvelles chaînes. Parce que j'aime bien les gens qui parlent en fait sur Internet. Voilà. Au début, j'aimais bien tout ce qui était maquillage, habits et tout, parce que c'était au début, cheveux, tout ça. Mais là, vraiment, avec l'âge, de plus en plus, je préfère les gens qui parlent tout simplement, qui parlent de. Donc, je commence avec le nord. Allez, voilà, ça commence. Qui parlent de plusieurs thèmes de la vie en général. C'est mieux. J'ai l'impression de perdre moins de temps, on va dire ça comme ça. Hein. C'est pour ça que. Je vais parler de ça, hein. J'ai évité de parler de choses qu'on voit déjà. Même si j'avoue que. Bon, j'essaie de faire quelque chose de pas trop gros non plus. Juste une petite parenthèse. Je suis un peu choquée quand même par rapport à tout ce qui se passe avec Sananas. Oui. Je suis même un peu déçue parce que, bon, au début, c'était comment ça s'appelle? Enjoy Phoenix. Pourtant, je la suis, hein, mais bon, je regarde pas souvent en fait. Je l'ai juste suivie comme ça par curiosité. Ça fait un an, je crois, que je la suis. Bon, bref. Et son histoire, elle m'a touchée aussi. Parce que, bon, comme on sait, à la base, la plupart des gens aussi qui deviennent célèbres et tout, souvent, elles ont vécu des expériences lourdes aussi. Voilà. Faut pas croire. C'est vrai que quelqu'un ne devient pas célèbre comme ça. Oui, il y a des gens qui ont de la chance qui deviennent célèbres comme ça. Mais il y en a qui ont galéré quand même aussi avant d'obtenir ce qu'ils ont. Et donc je sais qu'Enjoy Phoenix, elle a galéré. Donc son histoire, elle m'a vraiment intéressée. Même si je ne regarde pas ses vidéos, mais je la suis rien que pour tout ce qu'elle a dû traverser. Enfin, je trouve quand même que c'est une bonne. Elle s'en est bien sortie. Voilà. Après, donc je passe à l'autre. Et par rapport à Sananas, quand même, je ne comprends pas. Avant c'était Enjoy Phoenix, on l'a critiqué parce que soi-disant elle avait pris la boîte de grosse test pour moi. Et là maintenant, genre c'est sa nana. On la critique quoi. C'est un peu souffre-douleur là, ce temps-ci. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Mais pourtant, avant tout le monde disait qu'elle était gentille, douce, belle, même timide pour quelqu'un qui a beaucoup de monnaie. Et là maintenant, d'un coup, tout le monde dit qu'elle est commerciale, qu'elle est un peu fake. Et donc, c'est pour ça que j'ai bien aimé la vidéo de. Comment elle s'appelle? De Leslina Luberto. Parce qu'elle a défendu, elle a exposé beaucoup de points et de faits sur lesquels je suis d'accord avec elle. Voilà. Parce qu'elle aussi, pareil, elle est neutre, elle est ouverte. Elle aime bien dire ce que, elle est vraie aussi. Elle aime bien dire ce qu'elle a sur le cœur, elle fait pas semblant. Et donc, j'aime bien comment elle a parlé. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé aussi sa nana aussi comment elle a parlé. Et elle a raison, moi je trouve aussi que c'est vrai que. On va pas se mentir. Ce que j'aime pas aussi chez les gens là qui les critiquent, c'est que soyons honnêtes. Si moi ou si vous, du jour au lendemain là, on vous donne l'opportunité, enfin d'un coup vous avez de plus en plus d'abonnés, et au lieu de faire votre travail quotidien, on vous propose de faire des pubs pour des produits, des maquillages, et dans lesquels vous pouvez gagner plus facilement de l'argent. Et vous serez moins fatigué parce que vous ne serez pas obligé de tout le temps travailler. Enfin, du jour au lendemain, vraiment, ça peut arriver. À la base, ça pourrait arriver à n'importe qui d'avoir ça. Enfin, si vous seriez. En fait, c'est ça qu'il faut se dire. Si vous seriez à sa place, est-ce que vous aussi, vous auriez profité de votre opportunité, de votre chance, ou est-ce que vous seriez. Donc, oui, désolé, je reviens. Cet œil, ça va, mais cet œil-là, c'est un peu brouillon. Bon, bref. Parce que j'ai toujours du mal avec le make-up. En gros, je voulais mettre un fard un peu foncé. Et là, maintenant, je vais commencer. Voilà. Bref, oui, je reviens sur ce que je disais. Est-ce que si vous, du jour au lendemain, on te dit qui. Enfin, on te donne. T'as un vœu comme ça. Tu peux être à la place d'une star. Je sais pas moi, Rihanna, Beyoncé. Ou, je sais pas moi, MHD. Tu vas refuser? Soyons honnêtes, même moi qui est plutôt quelqu'un de calme, posé, gentil, tout ce que vous voulez, même moi, tu me proposes là d'être
Bon, pas n'importe quelle star, par exemple, si ça serait Lil Wayne ou Marilyn Manson, je sais pas quoi. Non, non. Mais par exemple, je suis désolée, tu me proposes d'être Rihanna, ne serait-ce que pour une journée, ouais, je vais pas dire non. Enfin, c'est juste pour dire que si vous aussi, vous auriez cette opportunité, si vous auriez des avantages, vous avez un don pour quelque chose, des avantages pour quelque chose, vous n'allez pas en profiter. Vous allez juste rester comme ça et vous n'allez pas vouloir en profiter. Enfin, je sais pas. Je sais pas, franchement, pour me dire, parce que j'ai l'impression qu'on s'acharne toujours sur les gens quand ils ont beaucoup d'abonnés, un peu comme Jackie Aina aussi. Jeffree Star, il a commencé à s'envoyer avec elle comme par hasard quand elle a dépassé la barre des 1 million d'abonnés. Donc, les gens sont vraiment bizarres. Et même ça me déçoit aussi parce que, bon, moi, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais je sais pas, moi, je trouve ça craint d'être vu comme un hater, d'être vu comme un rageux, d'être vu comme quelqu'un qui rage sur la popularité de quelqu'un. Franchement, ça craint parce que même si tu es quelqu'un qui fait des choses dans la vie et tout, mais les gens, ils vont voir que ça. Hein. Ils vont voir que tu es juste quelqu'un qui a les boules et qui limite aimerait être à la place de l'autre personne, alors que c'est peut-être pas forcément ça. Mais c'est ce qui dégage. Et j'avais vu même Gabrielle Union, elle avait fait une vidéo sur ça. Bon, là, je parle sur Instagram, elle avait posté une vidéo où elle avait dit que les femmes, elles aiment bien critiquer les autres femmes. Mais at the end of the day, qu'est-ce que ça te procure de faire ça? Est-ce que tu as trouvé un job? Est-ce que tu as trouvé un mari? Est-ce que tu as. Enfin, est-ce que ça t'apporte quelque chose dans ta vie à toi? Est-ce que ça t'apporte quelque chose de positif à toi dans ta vie de critiquer quelqu'un? En gros, tu as juste perdu peut-être 30 ou une heure de ta vie, on peut dire ça comme ça. Et je suis d'accord, franchement, c'est triste, mais j'avoue, je suis d'accord parce que malheureusement, je vois que je pensais par ici. Donc là, j'ai pris cette couleur-là, beige un peu. J'essaie de faire un dégradé. Hein. Oui, donc moi je. Non. Pourtant, moi aussi, je ne suis pas parfaite. Hein. Vous m'avez déjà vu dans certaines vidéos. J'ai parlé de certains youtubeurs, moi aussi, qui me cassent les oreilles, qui me cassent la tête. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préféré être honnête avec moi-même. Je me suis désabonnée. Mais vraiment, même si j'aimais bien la personne à la base, mais je me suis rendu compte que la personne, elle prenait trop la grosse tête, que limite, ça déteignait sur moi parce qu'après. Enfin, franchement, on va pas se mentir, il y a des gens, des fois, quand tu les regardes, il y en a, non, qui sont pas comme ça, mais il y en a, ils se mettent tellement en avant parfois, et qui sont un peu orgueilleux, ce qui fait que toi, si tu es dans une période difficile de ta vie où tu galères, tu vas mal le prendre, alors que c'est juste que c'est chacun sa chance, en fait. Faut pas mal le prendre. Mais vraiment, et pourtant, moi, à un moment, je commence à être un peu comme ça. Bon. J'ai jamais. Moi, par contre, je suis pas du genre à mettre des pouces en bas, c'est pas du tout mon truc. Je préfère fuir en fait, je préfère arrêter de regarder la personne. Voilà. Je pense, hein, parce qu'on a tous besoin d'avoir une paix intérieure pour poursuivre nos projets, entre guillemets. Donc, suivre la vie de quelqu'un comme ça, même si la personne corrompt un peu, elle fait des trucs par derrière, faut laisser. Mais vraiment, faut laisser parce que je sais pas, ça c'est une perte de temps, c'est pas. Pardon, je mets ça ici comme Oh, bon, c'est pas très. Non, c'est pas grave. Là, je mets ici comme ça aussi. Bon, là, j'ai des yeux sur ça alors que je ne voulais même pas parler de ça là-bas. Mais ouais, je suis un peu déçue, franchement. Non, mais vraiment, même moi, ça m'est déjà arrivé d'être comme ça, mais bon. La fille, franchement, elle est posée, elle est tranquille, sa nana, son elle est posée. Je connais d'autres youtubeuses, je ne vais pas citer des noms, mais je connais d'autres youtubeuses. Elles vont vraiment te faire ressentir que voilà, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Désolée, mais vous, peut-être vous galérez. Franchement, il y a des youtubeuses qui sont comme ça. Ça ne ressemble pas vraiment à ce que je voulais faire. Je reviens. Donc, je suis allée un peu loin. J'espère que les gens ont compris ce que j'ai dit. Je voulais dire que quand même, je trouve que sa nana, même si peut-être il y a des choses sur lesquelles elle dit pas toute la vérité, c'est ce que certaines personnes lui reprochent, de faire des pubs derrière le dos. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Bon, bref, en gros, moi, je trouve quand même qu'elle est moins superficielle, elle est moins hautaine que certaines personnes. Mais franchement,
Même Enjoy Phoenix, quand même, franchement, elles sont pas. Ça ressemble pas vraiment à ce que vous voulez faire. Je crois que je vais m'arrêter là. Bon, bref, moi je trouve qu'elle est pas. Je comprends pas, ouais, je comprends pas pourquoi les gens s'acharnent sur elle, pardon. Alors qu'elle n'est pas. Enfin, il y a des gens qui sont pires, franchement. Je vais pas citer de nom parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Mais je connais même des filles noires, parce que moi je suis une fille noire, qui sont pires. Il y en a qui sont bien, mais il y en a vraiment, c'est. Enfin, pour elles, elles sont vraiment des reines, quoi. Et si t'es pas comme elles, t'es nulle. Mais vraiment, en Amérique, il y en a beaucoup. Ici aussi, il y en a. Mais je vais pas citer, mais voilà. Et je trouve ça dommage que quelqu'un, juste parce que il s'en sort un peu, on le critique. Enfin, je trouve ça un peu bizarre. Bon, bref. Je vais m'arrêter là. Je pense même que je vais m'arrêter là. Là, je suis allée un peu loin. Mais ouais, moi je suis un peu. Je comprends pas. Mais bon, à la base, je voulais vraiment pas parler de ça. À la base, je voulais parler du fait que j'ai trouvé des nouvelles chaînes. Parce que bon, les histoires de make-up, tout ça, de toute façon, les gens seront jamais satisfaits, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut vivre sa vie. Les gens seront jamais satisfaits que tu fasses quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Les gens te critiqueront toujours. Donc, bon, je passe à la dernière. Je voulais juste parler des vidéos, certaines chaînes que j'ai trouvées ces temps-ci, qui parlent de sujets un peu plus intéressants, un peu plus terre à terre. Voilà, je trouve que c'est un peu plus intéressant. Ah, c'est bon. À moi D'accord. Et donc, j'ai trouvé, je vous avais dit, j'avais trouvé une chaîne qui s'appelait Les Yeza. Et malheureusement, j'ai oublié de le mettre en barre de description. Il faudra que je le fasse. Les Yeza. Bon, ça fait un peu chargé, hein. C'est pas grave, tant pis. Parce que c'est sur l'image, elle est un peu comme ça, donc j'ai un peu comme ça. Donc. Oh. Oui, bon, donc les Yeza que je mettrai en barre de description, et qui parlent de sujets intéressants, qui n'ont pas beaucoup de vues. Il y a qui encore? Il y a une chaîne d'un gars qui pas beaucoup de vidéos qui s'appelle Daoud, et là ça fait au moins 3 mois qu'il a arrêté, mais vraiment ses chaînes en sont pas mal. Et lui, je sais pas, en fait je sais pas s'il est musulman, mais et pareil, il est en quête de vérité aussi, il est en quête de vérité, et c'est un entier. À la base il s'appelle David, et il a pris le nom Daoud, et Daoud aussi ça signifie David, il me semble, en arabe, il me semble. Donc voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Et pareil, il fait des bonnes vidéos, franchement. Après, des fois, il est un peu dur, hein. Il est un peu strict, surtout avec les noirs. Et bon, quelque part, on ne peut pas lui en vouloir, hein, quand on voit la situation de la plupart des noirs. Hein. Donc, voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Et les vidéos sont pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, il parle un peu de tout, des sociétés secrètes, des noirs, de l'industrie de la musique, de l'industrie du cinéma. L'histoire de la France un peu vite fait. Et bon, il y a plusieurs sujets, c'est vraiment intéressant. Et donc j'ai presque fini, je vais juste rajouter ça un peu. Des réserves naturelles du Bordeaux français, enfin pardon, du Rouge français plutôt, des réserves naturelles. En fait je vais pas en mettre beaucoup, je vais juste mettre au bord des lèvres. J'ai un peu diminué parce que bon là c'est bon. Voilà. Non, mais pas, attendez, pardon, on va mettre comme ça. Parce que là, je vois pas trop. En tout cas, cette ancienne ambiance, elle est un peu chaotique, je trouve. Je sais pas vous, mais moi, je trouve que l'ambiance, elle est un peu chaotique, hein. Même pas que en France, hein, mais un peu partout. C'est vraiment déprimant. Et on est obligé de faire avec, hein. Cette couleur, elle me semble se taquer. Donc, comme ça fait un peu trop foncé, et elle n'est pas trop foncée non plus. Donc, la classe, elle est plutôt claire. Hein. C'est plutôt des couleurs pastel. Et là, j'ai fait un truc un peu vampy dark. Bon,
C'est pas grave. Donc, j'ai essayé de me rattraper avec ça. J'aime bien cette couleur de réserve naturelle. C'est un beige, lip gloss beige, comme ça. Essayer de faire quelque chose d'un peu plus clair. Bon, après ça grossit un peu les lèvres, hein. Franchement, en cas des petites lèvres, ça va. Grossit un peu les lèvres. Bon, j'en ai fait un peu trop aujourd'hui. Et m'en faire un peu moins, j'ai été perturbée. Allez, monsieur les amis, c'est Merci. Et par contre, ce que j'ai aimé, c'est le frère Daoud, là. En Amérique aussi, il y avait un gars qui s'appelait Brother Daoud et il a arrêté. Je crois que je vais m'arrêter là. Mais ce que j'aime bien chez lui, c'est que il a fait partie de certains groupes de Noirs et il a remarqué la même chose aussi, que les gens s'attardent trop sur la religion de telle ou telle personne. Alors que le plus important, c'est le fond, ce que tu as dans le cœur. Enfin, vraiment. Et même lui, il a dit que contrairement à ce qu'on pense, on en a besoin. On a besoin des religions. Parce que vu la situation du monde actuel, c'est pas pour rien que beaucoup de personnes s'intéressent à la religion. Ou même pas la religion, mais rien que le fait de croire à Dieu, ça peut aider. Ça peut éviter beaucoup de choses. Bon, j'ai l'impression que j'ai fait un peu trop. Je voulais faire quelque chose d'un peu plus simple, hein, mais bon. Je peux toujours enlever. Attends, toujours enlever. J'ai pas de chiffon, j'ai pas de papier. Toujours un peu masqué. J'aurais pu cacher un peu. Je trouve que je l'ai. On dirait le fard noir, là, ça fait trop. Bref, j'ai l'impression que ça fait trop. Je sais pas si je peux rattraper. C'est quand même un peu long, je crois. Ça peut tout effacer, mais ça peut. Bon, bref, en tout cas, les gens ne seront jamais d'accord sur ce sujet, mais voilà, j'ai bien aimé quand même la plupart des choses qui étaient intéressantes. Voilà, je crois que c'est un peu mieux. J'ai pas totalement réussi à le faire partir, mais c'est un peu mieux parce que j'en avais fait un peu trop. Voilà, pourquoi on a arrêté là. Bon. C'est sûrement d'autres choses que j'avais, que je voulais dire encore, mais je m'en rappelle plus. Bon, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, hein, désolé. C'est pas très innovateur, hein. Ça ressemble un peu à ce que je faisais avant. Ça ressort toujours pareil. Faut que je me procure d'autres couleurs. Bon, bref. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Je mettrai tous les liens en bas. Et je ne vous abandonne pas. Je vais bientôt revenir avec d'autres vidéos sur les biographies des personnes qui m'ont le plus inspiré. Mais bon, là, pour l'instant, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Mais je vais essayer de faire vite. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Ciao. Yeah.